Je vous propose de découvrir cet album qui s'appelle Poires et désespoirs de Jackie French et Bruce Watley aux éditions de l'Anne Batté. Poires et désespoirs. Pâquerette aime les poires. Pâquerette aime les poires juteuses. Pâquerette aime autant les poires que Myrtille les adore. Pâquerette aime les poires au déjeuner. Pâquerette raffole encore plus des poires chapardées au pique-nique. Pâquerette se délecte aussi des poires en compote ou en sorbet. Pâquerette se régale de gâteaux et de tartes aux poires. Pâquerette adore cueillir les poires sur l'arbre, tout comme Myrtille et Mamie Chantal. « Il faut sauver nos poires !» crie Myrtille. « Les poires sont mon péché mignon !» Elle se dépêche de récolter le maximum de poires. Pâquerette en maraude encore plus. Pépé Jean construit alors une clôture autour du poignet. Mais Pâquerette réussit à ramper sous la barrière en passant par le terrier du wombat. Mamie Chantal attache solidement Pâquerette, ce qui ne la gêne pas beaucoup. Toute la famille se lamente. Nous n'aurons plus jamais de poires. C'est une calamité. J'ai un plan ! S'écrie Myrtille. Myrtille concocte un véritable festin pour Pâquerette. Il y a des poires vertes et des poires jaunes. Il y a des poires rouges et des poires tachetées. Il y a des poires nappées de chocolat. Il y a une montagne de gâteaux à la poire, aussi haute que le plafond. Pâquerette est aux anges. Elle savoure une poire, elle en déguste une autre, elle en grignote une jusqu'au trognon, elle en avale goulûment une autre, elle en ingurgite une, elle en boulotte une autre, elle en dévore encore une. Pâquerette engloutit ainsi 600 poires et elle s'arrête net. Pâquerette ne sourit plus du tout. Le lendemain, inquiet sur son état, Pépé Jean libère Pâquerette de son enclos. « Regarde toutes ces poires appétissantes, Pâquerette !» dit Pépé Jean en lui montrant le verger. Pâquerette s'en fiche complètement. Elle est guérie des poires. Elle est maintenant absolument folle des pommes. Et voilà cet album Poires et désespoirs. Et si vous aussi, vous aimez les poires nappées au chocolat, il y a ici la recette de Mamie Chantal de la tarte aux poires et au chocolat façon tatin que je vous mets en lien ou en description de la vidéo. Et voilà, à consommer avec modération.